Bonjour Rose, bonjour Eric. J'espère que vous allez bien. À vous, j'espère que vous m'entendez. J'espère que vous m'entendez. Donc, je vais chercher, je vais me garer correctement. Pendant que je cherche une place rapide pour me garer, n'hésitez pas à partager le direct assez rapidement. Vous me partagez le direct dans les groupes. Moi, j'ai déjà fait mes partages, donc essayez de partager les directs rapidement. Je vais trouver une place pour me garer. J'espère que je vais me garer là où le wifi ne saute pas. Attendez. Ouais. Je vais essayer de me garer là où le wifi ne saute pas. Let me see. La connexion ne saute pas à tout bout de champ. Bonjour à tous, taguez-vous rapidement pendant que j'avance. Dès que je vois qu'il y a suffisamment de tags, je commence. Voilà, direct très rapide, très rapide. Voilà comment on va faire. Bonjour à tous, direct très rapide. Je vais parler d'un point précis. Vous avez vu le titre du direct. Je vais vous faire un briefing rapidement de ce que je pense que. C'est une grosse arnaque. Nous sommes face à la plus grosse arnaque. Ça dit que ça, c'est le Bernard Madoff version Facebook, en fait. Pan Johnson, c'est vraiment le Bernard Madoff version Facebook. Et je vous ai déjà dit ici sur cette toile que Pan Johnson est un pervers narcissique. En fait, il gère sa petite secte, il gère son petit monde comme un véritable gourou. Vous n'avez pas voulu me croire. Je vous ai dit que cet homme-là, c'est un gourou.
C'est-à-dire qu'il inoptise ses proies. Il inoptise les proies. Il se comporte vraiment comme un vrai pervers narcissique. Il éloigne ses proies de toute personne. Et il s'accapare de ses proies. Pam Johnson, c'est quelqu'un de très, 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 très dangereux. Je vous l'ai dit, je ne manquerai jamais de vous le dire. C'est quelqu'un de dangereux. C'est un pervers narcissique. Et pire encore, c'est un danger pour la société. Alors, ne voyez pas son petit exercice, ses petits micmacs où il vient venir vous faire croire que non, il est propre. C'est justement parce qu'il est monsieur sale. C'est parce qu'il est monsieur sale qu'il est toujours obligé de vous convaincre et de vous faire croire qu'il est monsieur propre. C'est parce qu'il est sale. C'est une crapule de la pire espèce. Pam Johnson que vous voyez là. Partagez le direct, les amis. Taguez les amis, taguez-vous rapidement. C'est un petit direct de 20 minutes maximum, pas plus. Alors, ce pervers narcissique, comment est-ce qu'il opère? Pam Johnson a utilisé une méthode stratégique. Quand vous avez vu Pam Johnson ici, il a venu dire qu'il dénonce les voleurs, qu'il dénonce les arnaqueurs, que les autres, c'est les voleurs, c'est les autres. Les arnaqueurs, c'est eux. C'est les autres. En fait, c'est une méthode, c'est une stratégie bien utilisée par des gourous. En fait, le gourou vous fait croire que l'autre est le sorcier. Mais en fait, c'est lui le sorcier. Le gourou vous fait croire que l'autre est l'arnaqueur, l'autre est le voleur. En fait, c'est lui le voleur. Pam Johnson, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu ici là sur les réseaux sociaux avec la méthode de Femania la plus répandue. C'est-à-dire, il vient avec cette méthode de vous faire croire. Il prend quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux, comme le président Amout. Il fait un acharnement massif sur lui en vous faisant croire que lui, il est parfait et que le président Amout est un voleur et que le président Amout est un arnaqueur. Alors que lui, une fois qu'il a fini de vous faire croire à ça, une fois qu'il a fini de vous faire croire qu'il fait une pseudo-dénonciation, qu'est-ce qu'il fait? Il s'accapare de ses proies. C'est-à-dire, il s'accapare des idiots et des idiotes qui ont réussi à croire à sa connerie qu'il est venu raconter. Et une fois qu'il réussit à vous accaparer, il vous met dans sa secte. Et il vous gère comme un vrai gourou gère. C'est-à-dire qu'il vous gère comme un vrai gourou gère. Et maintenant, il a de l'emprise sur vous. Pourquoi? Parce qu'il a fini par vous faire croire dans votre misérable tête, vous les idiots et les idiotes. Vous les idiots et les idiotes qui le suivez. Il a fini par vous faire croire et à vous faire comprendre que lui, il est parfait. Lui, il est propre. Et dans votre tête, il a mis dans votre cerveau que c'est l'autre qui est méchant. C'est l'autre qui est voleur. Les milliers et les milliers de directs qu'il a fait ici, là, sur les réseaux sociaux, pour vous faire comprendre, pour marteler. C'était une technique bien utilisée pour s'accaparer de ses proies. C'est-à-dire que c'était une technique bien utilisée pour amasser un maximum de proies. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient vous faire comprendre que l'autre est voleur, l'autre est arnaqueur, il sait que, il est sûr que il va se mettre en justicier, mais pour faire pire. Pour faire pire que ce que lui prétend que l'autre fait. Pam Johnson, tu es le Bernard Madoff. Je dis que tu es le Bernard Madoff de cette toi-ci. Après toi, là, après ton passage, là, il n'y aura pas plus grand escroc. Je commence petit à petit. Je tiens à vous signaler que pourquoi Pam Johnson réussit à toujours à faire ses escroqueries? Parce que une couverture, une étoffe d'un soi-disant justicier, d'un soi-disant Robin des Bois. Et les idiots et les idiotes, ceux qui n'ont pas de cervelle, sont tombés dans le coup, sont tombés dans le panneau. Et ils sont sous son emprise. Voilà, je vous explique comment ça se passe. Je vous ai dit ici là que, à partir du moment où, ici sur la toile, vous ne demandez jamais, merci pour les cœurs, taguez les amis, taguez-vous rapidement. Je vais faire un direct rapide. Je vous ai déjà dit ici sur la toile que à partir du moment où vous ne demandez jamais les résultats, vous ne demandez jamais les comptes de ce qu'on est venu vous faire ici là, vous serez toujours les mougous de cette toile. Vous serez toujours les plus mougous de cette toile.
J'ai dit ici sur cette toile que vous êtes des followers moutons. Pourquoi? Parce que quelqu'un vient vous en acheter, vous ne lui demandez jamais les comptes. Vous ne vous demandez jamais les résultats. Chaque fois, il vient avec une nouvelle formule d'arnaque. Vous ne lui demandez jamais les comptes. Vous ne lui demandez jamais les résultats. J'ai dit ici sur cette toile que l'affaire de Lieb Limal, à partir du moment où Pan Johnson a pris et a avoué lui-même avoir pris des commissions sur chaque personne qu'il a convaincu d'aller entrer chez Lieb Limal, l'idéal aurait voulu que Pan Johnson rembourse les commissions. Il a mangé toutes les commissions qu'il a prises. Parce que chaque personne qui réussissait à convaincre d'aller entrer dans Lieb Limal, lui, il prenait la commission. Et il ne réussissait pas à convaincre les gens facilement. Il harcelait les gens. C'est-à-dire que sa femme et lui harcelaient les gens à venir entrer dans Lieb Limal. C'était du harcèlement pour venir entrer dans Lieb Limal. Pourquoi? Parce qu'ils avaient leur commission. Pan Johnson nous a avoué ici là que oui, il a bel et bien touché des commissions sur chaque personne qu'il a mis dans Lieb Limal. Aujourd'hui, comme il sait qu'il est, le gourou et il a mis tout le monde, tous ceux qui sont là sont sous son emprise, ils n'ont pas eu la niaque, ils n'ont jamais eu le courage d'ouvrir leur misérable gueule pour demander des comptes, pour demander à Pan Johnson que, attends, même si Lieb Limal est tombé, toi au moins tu as bien touché des commissions. Ne serait-ce que la moitié de l'argent des commissions que toi tu as touché sur chaque personne, tu aurais dû rembourser. Personne ne lui a demandé les comptes. Et c'est comme ça que vous continuez toujours à vous faire avoir. Parce que la toile que vous voyez ici, c'est une niche. C'est un grenier bourré d'idiots et des idiotes. Bourré de mboutoukou. Et bourré de mungu. La toile que vous voyez ici. Chacun organise son fait comme il veut. Une ordure comme Pan Johnson se lève. Il vient vous faire croire qu'il est monsieur propre. Il vient vous faire croire que les autres sont des voleurs. Les autres sont des arnaqueurs. Mais si vous avez un minimum de quelque chose dans votre tête, pourquoi vous ne lui avez pas demandé les comptes? Pourquoi ne serait-ce que la moitié de la commission que lui, il a touchée sur Lieb Limal, en vous convaincant, en vous harcelant de venir entrer dans Lieb Limal, pourquoi la moitié ne vous a pas remboursé? Vous n'avez jamais demandé les comptes. Vous buvez, c'est-à-dire que vous êtes tellement des mougous ici sur cette toile que vous buvez les paroles, d'un escroc n'importe comment. Parce qu'il vient vous raconter qu'il est monsieur propre, parce qu'il a utilisé la technique. C'est l'autre qui est l'arnaqueur, c'est l'autre qui est le voleur. Mes amis, taguez-vous, je vous explique. Bonsoir Bête Yvette, allez-y, faites le partage. Taguez les unes et les autres. Taguez-vous, faites arrobas, vous taguez les uns et les autres. Taguez-vous, s'il vous plaît. Après que je vous ai dit ici là que la baronne de Sud vous avait sorti que quand vous voyez Pan Johnson qui est capable de voler l'argent du RDPC à Bâle, qu'on part lui confier la caisse, il part. Les jeunes du RDPC de Bâle en Suisse lui ont confié l'argent du RDPC parce qu'on s'est dit que non, c'est un papa, on peut lui confier la trésorerie. Quand on vient vous dire que Pan Johnson a eu le courage de voler toute la trésorerie, il est parti en courant avec l'agent de la caisse, du RDPC. Quand il est capable de faire ça, c'est lui qui va venir parler des gens. C'est lui qui va venir parler de l'arnaque. C'est lui qui va venir parler de ceux qui volent. C'est une crapule. Mes amis, partagez le direct, je vais vous donner la fin parce que je vous ai dit le direct, il ne sera pas long. Ça va être un très petit direct, très rapide. Pan Johnson est arrivé à un stade où il est venu nous faire croire que, comme à son habitude, les autres sont les sorciers, les autres sont les voleurs, les autres sont les arnaqueurs. Lui, il est parfait. Il est monsieur propre. Il n'a jamais fait une arnaque. Pan Johnson, Jean Lumumba, je m'adresse à toi aujourd'hui. Jean Lumumba, je m'adresse à toi. Ce n'est pas parce que tu as des mougous que tu as mis sous ton emprise qui n'ont pas les couilles de te demander les résultats, de te demander un bilan, que tu penses que ici sur la toile, tu vas te lever chaque matin, venir escroquer les gens et tu vas te faire parfait et qu'on ne va pas te demander les comptes. Pan Johnson, je vais te demander les comptes et je te demande les comptes de façon solennelle. Pan Johnson, je te demande les comptes de façon solennelle. Tu nous as fait croire ici là que tu es PTT. La première question que je vais te poser, ton association de PTT là, tu l'as légalisée où? Non, je veux savoir, tu as légalisé l'association de PTT où? Donc Pan Johnson est arrivé ici là
faisant croire que lui, il est un petit travailleur. Un petit travailleur tranquille. Que lui, il travaille. Il est un petit travailleur tranquille. Et les autres ne travaillent pas. Les autres sont des voleurs. Les autres sont des arnaqueurs. Les autres sont les fémans. Mais en fait, c'était une façon de construire et de mettre en place la plus grosse arnaque et la plus grande fémania qui puisse exister ici, là, sur les réseaux sociaux. Pange ensemble. Quand tu es arrivé ici, là, menti les gens, menti les mougous, en faisant croire que les autres sont les voleurs, les autres sont les arnaqueurs, Pange ensemble, tu as dit que tu as créé les PTT. Ok, d'accord. Tu as créé les PTT. L'adhésion des PTT, 270 euros par personne. Les gens devaient venir faire quoi? Pour payer 270 euros. 270 euros par personne pour adhérer au PTT. Pange ensemble, tu as fait quoi de tout cet argent que 270 euros par personne? Ce qu'on va faire, on va prendre la calculatrice ici, là. Attends, je prends ma calculatrice. Parce que tu penses que comme les mougs ne te demandent pas les résultats, ne te demande pas les résultats. Moi, je ne vais pas venir te demander les résultats. 270 euros par personne pour entrer dans les PTT. On va voir, tu as eu 300 personnes minimum qui se sont entrées. Je sais que tu as eu 500, mais on va calculer sur 300 personnes et on va multiplier ça. Parce que ça, tu sais, c'est trop. Une ordure comme toi, un minable féman, tu as organisé la plus grosse fémania possible et imaginable. Tu es venu ça avec tes mimbang frelatés. Venez dire que les autres sont les fémans, les autres sont les bandits, et tu as osé mettre une en place comme quoi, coho, je suis PTT, je suis PTT. Monsieur, tu es motoboy. Tu es motoboy du chauffeur livreur de UPS. Tu n'es même pas chauffeur livreur. Tu es motoboy. Tu es venu mentir les gens que tu es banquier ici là. Coho, je suis PTT, je travaille. Venez les PTT, venez les PTT. 270 euros par personne. Minable ordure. Minable escroc que tu sois. Je te demande les bilans, je te demande le compte de cet argent. On va calculer. Je te fais grâce. Parce que je ne vais pas prendre 500 personnes. Je vais prendre 300 personnes qui sont venues s'abonner chez toi. Qui ont adhéré dans les PTT. Où est le bilan des PTT? Qu'est-ce que tu as fait de cet argent? On va multiplier, les amis. Prenons la calculatrice, on va multiplier. Chouagne. Imbécile. 270 euros. Multiplions les amis, 270, multiplié par 300 personnes, 81 000 euros, 81 000 euros, s'il vous plaît, écrivez-moi ça en commentaire, 270, multiplié par 300 personnes, Pangeance a encaissé dans sa poche 81 000 euros, 81 000 euros, mais Pangeance, tu es le Bernard Madoff, tu es le Bernard Madoff. Panjansan, je vais m'asseoir sur toi. Je dis un Panjansan, tu es venu ici là sur les réseaux sociaux, ramasser les mougous, organiser la plus grosse fémania qui puisse exister. Fais croire aux gens que toi tu es bien, toi tu es PTT, toi tu peux travailler. En ramettant les mougous, en disant aux mougous que venez, vous les PTT, vous les petits travailleurs tranquilles, vous qui avez les petits boulots, vous partez travailler le matin, venez, on va créer l'association. Je suis le président des PTT, président des PTT. Les gens sont venus Sokoto, les gens sont venus Sokoto. Tu leur as dit qu'ils sont venus Sokoto, tu as dit que donnez la main ici là. L'adhésion, l'inscription, c'est 270 euros. 270 euros de quoi? Tu as eu au moins 300 personnes. Parce que je suis gentil. Je sais qu'au moins 500 personnes t'ont payé les 270 euros. Allons sur 300 personnes. On se retrouve à 81 000 euros. Pendant ça, je peux avoir les comptes de cet argent. Misérable Féman. Je peux avoir les comptes de cet argent, pendant ça. Qu'est-ce que tu as fait de 81 000 euros? Je peux avoir les comptes, pendant ça. Tu as ramassé les hommes sensibles ici, là. Tu as ramassé les mougous, les femmes qui se lèvent, qui partent travailler leur argent. Tu as fait ta fémania, organisé ton fait et fait croire à ces femmes, à ces hommes et à ces femmes. Les mougous, et leur fait croire que non. Venez au PTT, venez au PTT. Mais tu es une ordure, imbécile que tu sois. Parce que tu penses qu'il n'y a personne pour te demander les comptes, chiu. Une vomissure que tu sois, un misérable escroc que tu sois, bandit de grand chemin, fémin de grand chemin, tu as utilisé je sais même pas. Les mots me manquent. J'en perds mon latin, pas Jansan.
Tu as utilisé une ignorance. Tu as utilisé l'ignorance des gens. Tu peux me dire ce que ton association des PETT, une association qui n'est même pas légalisée, Panjansa, tu l'as légalisé où? Panjansa, tu as légalisé ça où? Tu fais quoi? Quel est le bilan de cette association? Tu n'es qu'une ordure. Et parce que tu te comportes dans ton association comme un gourou, que personne ne peut parler, personne ne peut réclamer ses frais d'adhésion, 270 euros par personne, misérable, ordure que tu sois. Chiu que tu sois. Rien que 300 personnes que tu as encaissé l'argent, ça fait 81 000 euros. Sale ordure. Tu as utilisé la faiblesse des gens. Tu as naqué les gens ici là comme un véritable fémane. Et c'est toi qui ouvres les directs de 6 heures de temps pour insulter les gens que les gens sont les fémanes. Chiu. Misérable voleur que tu sois. 270 euros. 270 euros par personne. 300 personnes. Ça fait 81 000 euros. Pendant sans dire, donne-moi le bilan. Imbécile. Parce que ici, sur la toile, personne ne te demande le bilan. L'association là est née ici, là, devant nous tous. Donc, dis-nous ce que tu as fait des frais d'adhésion de cette association. Les gens qui sont allés payer. Les gens qui sont allés payer, tu as fait quoi de leur argent? Tu as un bilan? Tu as déposé quoi? Tu as fait quoi de cet argent? Tu as mangé tout cet argent. Tu as mangé tout cet argent. Toujours pourquoi? Parce qu'il n'y a personne ici sur la toile pour te demander les résultats. Il n'y a personne ici sur la toile pour te demander les comptes. Tu n'es qu'un misérable escroc. Tu n'es qu'un misérable, minable escroc. Et c'est toi qui ouvres ta caméra pour venir parler aux gens. Et vous vous faites toujours avoir parce que vous n'êtes que des mougous. Quelqu'un se lève. Il vous monte le doigt là-bas. Regardez là-bas. Regardez là-bas. C'est le mougou là-bas. Non, c'est un féman là-bas. Regardez là-bas. Regardez là-bas, criant, ouh, féman, alors que c'est lui le féman en fait. Regardez comment vous faites avoir 270 euros. Vous n'avez même pas les couilles de demander où est parti votre argent. Vous n'avez même pas les couilles de demander ce qu'il a fait avec votre argent. Vous vous cachez comme des rats. Vous resterez des mougous toute votre vie. Vous les idiots, les idiotes. Vous les idiots qui est parti suivre ce féman de grand chemin, ce bandit de grand chemin. Panjansan. Où est parti les deux? Où est parti l'argent? L'argent des adhésions? Une chiure comme toi. Et c'est toi qui vas venir parler aux gens? C'est toi qui vas envoyer les gens me clasher? Salopard! Chien vert que tu sois. Regardez-moi un bandit comme ça là. Et les amis, ce n'est pas fini. Je vous ajoute un bonus. Partagez le direct, je vous ajoute un bonus. Comme si ça ne suffisait pas. La fémania continue. Parce que après vous avoir fait sur les adhésions de Lieb Limal. Il a mangé les commissions. Il a avoué ici là qu'il a mangé les commissions des gens. Il ne vous a pas donné de résultats. Après, vous avez fait sur l'adhésion de... venez vous adhérer dans l'adhésion des PTT. Ils n'ont jamais rien fait des PTT. Ils ne sont allés nulle part avec ça. Ils n'ont rien fait, aucun don, rien du tout des PTT. Ils n'ont rien fait ça. Ils ont mangé entier. Je vous ai dit que cet homme-là, c'est un gourou. C'est un gourou promax. Il inoptise. Il sait qu'il a accaparé ses mougous. Et vous allez me dire que celui-là n'est pas un féman. Il n'y a pas plus féman. Vous n'aurez pas deux féman ici là. Je vous dis et je vous répète. Vous n'aurez pas deux féman ici sur la toile. Que par Jansan. Ce n'est pas tout. Parce que... Ariel, bonsoir. Ce n'est pas tout. Parce que... Et pourquoi je ne vois pas la multiplication en commentaire? Allez-y, multipliez 270 fois 300 personnes. Et vous me mettez en commentaire 81 000 euros. Mettez ça en commentaire. 270 multiplié par 300. Et vous mettez 81 000 euros. C'est pas fini. Mais les amis, c'est pas fini. Il lance les directs. Et écoutez ce qu'il dit. Monsieur propre. Je suis monsieur propre. Je suis monsieur propre. Massa. Le gars lance les directs, sa femme aussi lance sa part. Sa femme lance sa part que, oh, association des femmes gracieuses. Oh, association des femmes gracieuses. Ngo, tout man yorceline. Hey, woko, partagez les directs. Venez. Massa. Pendant que Pan Johnson escroque là-bas 270 euros du côté de l'association des PTT. Donc, tout Magno Céline, elle met sa part d'adhésion là-bas à 20 euros. 20 euros! Elle a eu combien de femmes gracieuses là-bas? Plus de 1500 femmes gracieuses. Elles sont parties payer 20 euros.
que l'association des femmes gracieuses. On a calculé. Calculons, les amis, calculons. Non, on a calculé. Calculons. Calculons, calculons. On était à 81 000 euros. On était à 81 000 euros avec 270 euros par personne sur 300 personnes. 20 euros multiplié par 1500 personnes. 31 000 euros. L'association des femmes gracieuses avait 1500 personnes, 1500 femmes qui ont mis, qui sont parties toucher les 20 euros là-bas que l'inscription. J'ai dit que, donné à 30 000 euros plus 81 000 euros. Et avec ça, là, ils ont ramassé ça pour aller faire quoi? Je dis, mes amis, Adama, sur la toile, si on peut être au Mougou Pro Max comme ça là. Non, dites-moi un peu. On peut être au Mougou Pro Max comme ça là. Je vous ai déjà dit que la toile, si. C'est le vivier. C'est-à-dire que la toile, si c'est le Mokolo, c'est le marché mondial des Mougou. Et il y a les Mougou ici, là. Chacun organise sa part de frappe. Ndamba na sens. C'est-à-dire que parce que, je dis que la vie, c'est le schéma. Zuimanto, vous avez déjà dit ici, là, que la vie, c'est le schéma. La vie, c'est le schéma, les amis. Voilà quelqu'un qui a organisé son schéma propre. Quelqu'un se lève, kounya. Ma baronne Lolita, celui qui est, quelqu'un se lève, il vous dit que, regardez là-bas, l'autre est voleur, l'autre est arnaqueur, venez vers moi, vous serez bénis. Moi je suis monsieur propre, Venez vers moi, vous serez bénis. Moi je suis propre. Attendez. Voilà. Donc, les amis, quelqu'un vous dit, venez vers moi. Moi, je suis propre. Zuimanto vous a dit que la vie, c'est le schéma. Ndambana sens. La vie, c'est le schéma. L'homme-là était venu multiplier ses milliers et ses milliers. Quand quelqu'un vous dit que sa star, c'est son idole, c'est le président Amot. C'est-à-dire qu'il s'est dit que en diabolisant le président Amot, plus il va diaboliser le président Amot, plus il aura des mougous qui vont tomber. Quelqu'un a organisé toute sa fémania sur une seule personne, le président Amot. Qui est son idole, hein? Qui est sa star? Oui, il s'est dit que non. Si j'arrive sur la toile, je dis que non. Celui-là, c'est un voleur. Celui-là, c'est un arnaqueur. Venez vers moi et vous serez bénis. Venez vers moi et vous allez connaître le chemin de Dieu. Venez vers moi et vous allez connaître le chemin de la prospérité et de la gloire. Mes chers amis, mes chers internautes, il nous dit, venez vers moi, vous allez connaître le chemin de la prospérité et de la gloire. Alors, qu'est-ce qui se passe? En diabolisant le président Amot, lui, il se prend pour monsieur propre. Je suis propre. Non, je suis propre. Je suis propre. Je suis saint. Pendant ensemble. Tu as organisé la plus vaste escroquerie qui puisse exister ici là sur les réseaux sociaux Mbrakata. Tu es un fémin pro max. Parce que personne, tu n'as jamais donné les résultats. Tu n'as jamais donné les bilans de tout l'argent que tu as arnaqué. De tout l'argent que tu as escroqué. Est-ce que face à face, devant les internautes, tu peux lancer tes directs de 6 heures de temps pour dire où est parti l'argent des adhésions de 270 euros par personne du côté des PTT? Du côté des femmes gracieuses, vous avez pris 20 euros par femme là-bas. Mais vos associations-là sont parties où? L'argent des adhésions est parti où? Où sont les textes de vos associations? Où est le bilan de cette association? Où est le bilan d'argent? Je vous ai déjà dit ici là, sur cette toile, ce qui arrive à Macoclo arrivera à Maclacla. Quelqu'un qui est parti voler l'argent du NDPC des jeunes à Bâle, qui a pris la caisse en courant, un vieux papa. Il a couru comme ça avec la caisse du NDPC à Bâle. Les enfants du NDPC, les petits jeunes du NDPC lui ont fait confiance. Là-bas en Suisse à Bâle. Il a pris la caisse en courant comme ça, la colle les trésoriers. Les enfants lui ont fait confiance. Quelqu'un qui peut partir avec la caisse du NDPC jeune
en courant. Vous pensez que c'est vos adhésions qui va faire quoi? Il a réussi son fait. Les mougou comme vous. Vous êtes des mougou pro max. Des idiots, des idiotes comme vous. Vous avez quoi dans la cervelle? Un motoboy comme lui, il n'est qu'un minable motoboy. Un motoboy arrive, il vous dit qu'il est PTT. Je suis PTT. En vertu de quoi? Mais vraiment, la toile, c'est des mougou. Hein? Non! La toile, c'est des mougou. À partir du moment où vous êtes incapable, mais vous êtes des chiens, vraiment. Vous êtes incapable. Comment on peut inoptiser votre cerveau comme ça, là? Non, mais comment on peut inoptiser votre cerveau? Vous êtes incapable de demander des bilans et demander des comptes? Quelqu'un qui vous a pris 270 euros par personne, 300 personnes, ça fait 81 000 euros. Vous n'avez même pas le cœur, vous n'avez même pas la niaque de lui demander que le père. Je dis, nos frais d'adhésion là qu'on a payé, là, l'argent est parti ou pas? L'argent est parti où? Il a pris ça pour acheter sa voiture frelatée là? La voiture frelatée qu'il a achetée là? Récemment là, qu'il a acheté sa voiture frelatée? Déjà, il vous a mangé l'argent. Il vous a mangé l'argent de vos adhésions. Il n'a pas les couilles de venir vous dire. Il n'a pas les couilles de venir vous dire que où en est votre argent de Liéb Limal. Lui, il n'a pas les couilles. Mais ne serait-ce qu'avoir les couilles de venir vous rembourser seulement les commissions que lui il a touchées quand il mettait chaque personne. Je vous raconte alors le vrai légué. Allégué, chaîne. Allégué, chaîne. Hey, venez, Panjansan et sa femme. Les gens qu'il a mis là dans Liéb Limal, là, maman, le harcèlement de ça. Il t'écrit, sa femme t'écrit, pour te convaincre. Non, viens mettre ton argent. Non, viens, pareil pour venir entrer dans les histoires des PTT. Pareil, sache qu'il a utilisé la fémania. Je vous dis que le gars là est un féman pro max. Pour faire venir les gens, pour faire entrer les gens au PTT. Qu'est-ce qu'il n'a pas raconté? Oui, viens ici là, mais regarde celui là, c'est un voleur. Moi je défends les voleurs. Moi je suis propre, hein? Je n'en ai pas. Toi, tu es un poutou que tu prends 270 euros. Même 2,50 euros. Je dis un panjansan. Tu ne pourrais pas prendre 2,50 euros. 2,50 euros. Tu es parti prendre 270 euros. Adama, 300 personnes. Adama, 300 personnes. 81 000 euros. Oh, pourquoi je ne vois pas les commentaires? Pourquoi je ne vois pas le commentaire de 270 euros multiplié par 300 égale 81 000 euros? Pendant qu'il vous entube du côté de PTT, madame vous entube du côté de femmes gracieuses. Venez mes femmes, vous êtes gracieuses, vous êtes belles, vous êtes adorables. Encore 20 euros d'adhésion. Adama. Un seul couple vous entube comme ça là. Un seul couple vous met ça bien profond. Le même couple. Quelqu'un qui n'a pas pu excuser l'argent du RDPC des jeunes. Vous pensez que c'est votre agent qui va excuser? Vous n'avez même pas la niaque. Ça veut dire qu'une forêt de mougou. Les réseaux sociaux que vous voyez là. Une forêt de mougou. N'importe qui se lève. N'importe qui, il vous a pris dans le fait. C'est-à-dire que la manière la plus bête qu'il puisse imaginer. Parce que vous pensez que quoi? Que lui, allons détester le président Mott. Oui. Il est voleur. Il est arnaqueur. Allons le détester. Wow! Vous n'avez même pas honte. Allons le détester. Il vous dit d'aller le détester. Alors que pendant ce temps, lui, vous prend 270 euros. Regardez comment vous vous êtes fait enculer. Regardez comment vous êtes fait entuber. Il vous a mis ça bien profond. Il est parti acheter sa ouéré, la voiture frelatée là, pour venir monter sur les réseaux sociaux qu'il a acheté une voiture, la voiture frelatée là. Mais vous pensez que la voiture frelatée là, il a pris l'argent où? On vous dit que quelqu'un est motoboy du chauffeur, le chauffeur libre à UPS, il a pris l'argent pour acheter la voiture frelatée. C'est vos minables agents de l'association de 270 euros qu'on paye et il n'y a personne sur la toile qui est capable de demander les comptes à Panjansan. Personne ne lui demande les comptes que Panjansan. Je dis, mon frère, je dis, pas 270 euros là. 270 euros multiplié par 300 personnes. Papa, tu as encaissé 81 000 euros comme ça. Après, tu regardes les gens. Mais vous êtes malade. Vous êtes malade. Comme femme gracieuse.
Voilà un couple, voilà le vrai couple d'arnaqueurs. Le vrai couple de voleurs. Le vrai couple de fémanes, là, c'est eux là-bas. Ça, c'est de la fémania. Continuez à vous faire avoir. Hein. Continuez à vous mettre. On va vous mettre ça profond. Il va revenir ici avec un nouveau fait. Hein. Tapez ma main. Tapez ma main qui va revenir ici avec un nouveau fait. Pose un Johnson. On va accélérer. Mes amis, dans ce direct, il y a les liens. Il y a les liens du brûlé qui est parti ramasser là-bas à sur AliExpress. On va faire la pause un Johnson. On va faire ça propre pour vous donner. Chiu. Tu vas donner les 270 euros des gens. Imbécile. Tu manges les commissions. Tu manges les commissions de Liebliman. Des gens. Tu t'enrichis avec ça. Les commissions de Liebliman, on te laisse. On te laisse aussi sur l'argent du RDPC que tu es parti avec la caisse. On te laisse. Donc on va aussi te laisser pour les 270 euros par personne. Imbécile. 81 000 euros. Chiu. Après, tu vas venir raconter, c'est que non, je suis monsieur propre, je suis monsieur propre, je suis propre, tu es propre dans quoi? Regardez-moi, un gourou pervers narcissique. C'est-à-dire que je vous ai dit ici sur les réseaux sociaux, que méfiez-vous des gens qui vous disent que les autres sont mauvais. Méfiez-vous des gens qui vous disent que regarde là-bas, il en a. Lui-même, c'est son fait qu'il est en train de. C'est-à-dire qu'il a fait le schéma. Oh, regardez le schéma, regardez comment vous êtes tombé. Imbécile. Vous pouvez me dire ce que vous avez fait dans cette association-là. Vous savez très bien qu'il n'y a pas eu de bilan. Il n'y a pas eu de bilan. Et je tiens à vous rappeler qu'il a l'emprise sur ses mougous. Il a de l'emprise sur ses mougous comme un vrai pervers narcissique. Il a de l'emprise sur les mougous comme un vrai pervers narcissique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que personne ne peut aller lui poser la question que... Personne ne peut aller lui poser la question que... Où sont les comptes? Où sont les comptes? Regardez-moi un minable personnage qui ne vous dit pas pourquoi pendre ensemble, pourquoi si tu n'étais pas le vol, pourquoi tu n'as pas demandé 2,50 €, pourquoi tu n'as pas demandé une association gratuite, une adhésion gratuite. Je peux savoir pourquoi tu as pris l'argent des gens chiu. Je peux savoir pourquoi tu as monétisé l'adhésion à cette association vomissue. Je peux savoir pourquoi tu as monétisé l'adhésion à cette association ordure que tu sois. Regarde-moi un minable fémane comme ça là. Tu vas venir t'asseoir pour faire 6 heures de direct. Imbécile que tu sois. Si tu étais vraiment... Non, parlons calmement les amis. Allez-y, débattons ensemble. Quelqu'un vient vous dire que lui, il défend le travail. Il défend les gens qui partent travailler chaque matin. Il veut qu'on se mette en association. La question que vous devez vous poser, si on se met en association et que tu es le président de cette association là, et que tu veux nous mettre ensemble pour qu'on travaille ensemble, pour que les travailleurs puissent se donner les idées. Les travailleurs puissent se partager les idées. Les travailleurs puissent bosser ensemble. Les travailleurs puissent s'entraider. Mais la question que moi je vous pose, moi qui suis aîné de Promax, la question que je vous pose, est-ce que cette association-là a besoin, on a besoin de payer l'adhésion de ça? Pendant ensemble, pourquoi l'association-là n'est pas gratuite? Pourquoi PTT n'est pas gratuit? Pourquoi tu en as 270 euros pour l'adhésion? Pendant ça, est-ce que tu peux nous dire à quoi servent les fameux 270 euros? Durant toute l'année, depuis que tu as créé les PTT, qu'est-ce que tu as fait ici là sur les réseaux sociaux de cette association-là? Tu as mené quoi comme action avec cet argent? Parce que, comme vous le voyez, personne ne peut demander les comptes, hein? Je vous dis et je vous rappelle, personne ne peut demander les comptes. Mais moi, je te demande les comptes. Dans 270 euros là, mettons les 300 personnes qui ont payé, pendant 181 000 euros, viens me donner le bilan à moi. Tu ne fais plus les directs de 6 heures de temps. Tape-nous un direct de 6 heures du temps. Au lieu de nous faire les directs de 6 heures du temps pour assassiner Paul Lambert. Pourquoi Paul Lambert vient t'expliquer comment est le zout de Chopard, qui est la marraine de ton fils? Pourquoi tu ne fais pas les directs de 6 heures de temps pour venir expliquer ce que tu as fait de l'argent des adhésions? Tout pour toi, c'est faire les directs, recevoir Paul Lambert. Demander à Paul Lambert que les fesses de Chopin sont comment? Son zouté comment? Son anus est comment? Son derrière est comment? Le bébé qu'elle a accouché comment? Bébé et mère comment? L'accouchement s'est passé comment? Les contractions sont passées comme ça? Y'a pas de sang. Tu peux faire 6 heures de direct
pour poser les questions à un direct qui a commencé à 3h du matin jusqu'à 6h du matin pour poser les questions à Paul Lambert, paix à son âme, que toi-même tu as assassiné avec tes questions mesquines parce que tu n'es pas capable de faire un direct de 6h de temps pour dire, expliquer où sont partis les 81 000 euros. Mais tu es un fait-man. Mais pendant ça, tu es un fait-man. Pendant ça, tu es un fait-man pro-max. Pendant ça, tu es un gourou. Et comme vous le voyez comme ça, là, personne ne peut dénoncer. Même l'histoire de Liebli Mal, là. L'histoire de Liebli Mal, très vite, il avait couru. Il était parti s'associer avec les teams, là. Vous pensez qu'il était associé avec les teams, pourquoi? Parce qu'il savait que c'était stratégique. Il savait que s'il fait la paix avec les teams, là, qu'est-ce qui va se passer? Les adhérents de tous ces teams-là vont venir le défendre. Quand on va venir lui poser la question que donne-nous l'argent des commissions de Liebli Mal que tu as mangé. Et c'était stratégique. C'est pour ça que vous l'avez vu aller s'associer, courir, aller s'associer au team. Il a pris tout l'argent des commissions dans son ventre, il a mangé. Et vous allez me dire quoi? Que celui-là n'est pas un pervers, un minable voleur, un bandit de grand chemin? Vous attendez encore quoi? Ndambana 16, la ville, c'est le schéma. Il a constitué son schéma parfait. Et les mougous qui sont sur la toile sont tombés dedans. Restez encore là, hein? Restez là-bas. Demain, il va encore vous apporter un schéma. Parce que vous n'avez pas les couilles. Vous n'avez pas la gnaque. Vous n'avez même pas le courage d'ouvrir vos bouches. Quelle ordure! Une ordure de ce genre se lève le matin et vous fait croire que vous devez venir lui payer 270 euros et vous n'avez même pas le courage. Mais libérez-vous, bordel de merde. Vous êtes sous l'emprise d'un gourou. Libérez-vous, bordel de merde. Vous êtes sous l'emprise d'un gourou. Sortez de là. Ça vous prend pas où si vous êtes vraiment des travailleurs? Ça vous prend pas où si vous êtes vraiment des bosseurs? Comment se fait-il qu'une ordure de ce genre peut se lever et vous faire croire que lui, il veut sauver les travailleurs? Il n'y a aucun d'entre vous qui a eu la force de lui poser la question que, mais au fait, ça se passe comment? Mais pourquoi est-ce que nous, on doit payer une adhésion? Cet argent-là, pas où? Mais les amis, pourquoi il n'a pas mis une adhésion gratuite? Pourquoi est-ce qu'une ordure comme celui-là se lève et il ramasse l'argent 270 euros par personne? Pourquoi il n'a pas mis l'adhésion gratuite? Supposons qu'il met l'adhésion payante. Pourquoi il n'a pas mis l'adhésion à 2,50 euros? Pourquoi il n'a pas mis l'adhésion à 2,50 euros? Le but de mettre l'adhésion à 270 euros là, c'était pourquoi? Il n'y a personne qui peut poser la question. Il n'y a personne qui peut lui demander des comptes. Il n'y a personne qui peut le voir en face comme ça, qui peut faire un direct en face et lui dire que, mais tu es une ordure? Tu es un voleur? Tu es une chiure? Comment se fait-il que quelqu'un peut mettre 81 000 euros dans sa poche? Sa femme met de l'autre côté là-bas avec les femmes gracieuses. 30 000 euros. Elles sont gracieuses dans quoi? Le gracine de quoi? Gracieuse est venue chercher quoi? Dans payer l'adhésion. Et après, on vous en a comme ça là. On vous en a comme ça là. Après, on fait 6 heures de direct pour insulter le président Amot. Mais vous êtes malade? Vous voyez la fémania devant vous. On vous fait devant vous. Mais après, quelqu'un lance les directs. Non, je suis propre. Je suis propre. Regardez là-bas, c'est l'autre qui est en accueil. C'est l'autre qui est fémane. Moi, je suis propre. Pendant qu'il vous dit qu'il est propre, il vous demande l'adhésion. Regardez comment vous êtes tombé comme des mougous. Regardez comment vous êtes tombé comme des mougous. Vraiment. La toile, c'est... La toile, c'est que le fait, c'est le schéma. Le fait, c'est le schéma. C'est-à-dire que... Non. Pendant ça. Bernard Madoff. Gars, tu as choué les deux là. Non. Bernard Madoff. Tu as choué les deux là pendant ça. 270 euros le père. Et tu n'as rien fait avec. Pourquoi tu n'es pas venu nous montrer ici là, sur la toile ici, ce que ton association PTT. PTT. Donc si c'était de comme un mougou, qui est PTT qui dit qu'il est soudeur? Chaque matin, on va de comme un mougou aller souder. De comme un mougou. Pourquoi de comme un mougou n'a pas dit que bon, tout ce qui tue les petits travailleurs, venez ici là avec 10 euros, on va mener une association. Pourquoi si c'était de comme un mougou qui prenait 270 euros par personne? Qu'est-ce que la toile ici devait devenir?
Qu'est-ce que vous allez raconter? Regardez comment vous, on vous prend à l'exé. Vous tombez comme des mougous. Vous êtes tombés comme des mougous. Pourquoi de comment Mougou n'a pas dit que ok, d'accord. Ok, d'accord. Comme il est soudeur alors, il faut qu'il prenne l'argent de 270 euros, il vous rassemble. Oui, les petits travailleurs tranquilles là. Pourquoi de comment Mougou n'a pas dit ça? Je vous maintenant pose une autre question. Supposons qu'il y avait une personne ici sur la toile, qui était venue sur la toile, venue dire que non. Vraiment, donnez-moi, j'ai une association là, je fais une association. Venez entrer. Venez me donner 270 euros par personne. Qu'est-ce qu'on n'allait pas taper comme direct sur la personne là? Qu'est-ce qu'on n'allait pas dire? Mais pour lui là, quand il fait le fait là, il vous met ça bien profond, sans vaseline. Il vous a mis ça bien profond, sans vaseline et à sec. Et je dis et je répète, sans vaseline et à sec, regardez comment vous êtes tombé. Parlez vous dépasse. Vous êtes sous l'emprise d'un gourou. Libérez-vous, dis donc. Libérez-vous. Il est sorti encore là maintenant là. Quelqu'un qui n'a fait aucune étude de cosmétologie. Rien du tout. Il ne connaît rien en cosmétique. Il se lève parce qu'il frotte le Jansan de Mbopi. Il se lève, il vient dire que. Il vient pas ramasser les produits sur AliExpress. Il vient dire qu'il vend le Jansan pour vous brûler les peaux. Vous avez vu sa peau ici là, voici sa peau ici là, voici son pied ici là. Vous avez vu sa peau est comment? Sa peau est comment? Regardez les imperfections sur sa peau. Voici sa peau ici là sur la photo. Sa peau est comment? Mais comment vous êtes mougou comme ça là? Je dis, voilà, toi c'est le mougou, hein? Non, la toile c'est le mougou. Vous ne lui demandez pas. Ça veut dire que vous ne demandez aucun. Ça veut dire que la toile si c'est aucune obligation de résultat. Chacun vient, il fait son schéma, il prend ses deux, il part. Et ce qui est bizarre, c'est que la même personne est déjà à combien de schémas ici là? C'est son quatrième schéma, hein? C'est son quatrième schéma ici sur la toile. Où il vous prend les dos comme ça là. Aujourd'hui, vous le voyez, vous-même, vous savez qu'il ne connaît rien dans les cosmétiques. Il ne maîtrise rien dans les cosmétiques. Il part chez AliExpress. Voilà sa gamme là-bas. Voilà les produits là, non? Posez là-bas. Je vous ai mis les liens. Tapez-moi les liens là. Vous me tapez les liens, vous prenez ces produits, vous comparez les mêmes produits. Ils ont changé seulement Ils ont changé seulement ajouté seulement le logo. Et après, vous allez venir pleurer? Vous allez venir pleurer, c'est là que, oh, on a brûlé ma peau. Oh, oh, on a brûlé ma peau. Vous allez pleurer? On va vous dire que, mais, tu pleures pourquoi? Quelqu'un qui a réussi à prendre l'argent aux gens pour convaincre les gens d'entrer dans les mal. On vous a dit, hey, attention! Vous avez dit que non, parce qu'on est jaloux. Quand la même personne revient, il dit que PTT. Vous avez dit que non. On est jaloux. Non, on est jaloux. On dit que mais comment tu peux prendre 270 euros, tu peux donner. Non. C'est la jalousie, dis donc. Dis donc, vous êtes jaloux. Ah, dis donc. Il est bossé propre. Ah bon? Après demain, vous allez venir dire quoi ici là sur la toile? Vous allez venir dire quoi ici là sur la toile demain? Qu'est-ce que vous allez venir dire? Goho! Goho, ça m'a brûlé! Goho, ça m'a brûlé! Je vais vous dire le point que je vous avais pas mis les liens. Je vous avais pas mis les liens d'AliExpress. Là, on est parti ramasser ça. Ndambana sens. D'accord? Et refomboutou qu'on a damé fondos. Cet homme-là, Panjansan, Jean-Louis Mimbang. Jean-Louis Mimbang, tu es le plus gros. Ça veut dire que tu es le plus gros fait-man. Mais tu sautes, tu cales en l'air. Tu vas venir me donner le bilan. À moi-ci, là. Tu vas venir me donner le bilan de ce que tu as fait, de tout l'argent des adhésions de PTT. Parce que là-bas, chez eux, ils sont déjà sous l'emprise. Là-bas, chez eux, là-bas, là, dans les PTT, là, ils sont déjà sous l'emprise parce que tu es leur gourou. Tu les as hypnotisés. Et tu les menaces que celui qui va parler, tu vas le déposer en direct. Tu vas venir le déposer ici en direct. Tu menaces les gens. Personne ne peut parler là-bas. Personne ne peut lancer un direct pour venir te dire que hey, le bilan est où? L'argent est où? Regardez-moi un minable escroc comme ça. Un minable vendeur d'illusions. Pour venir mentir aux gens que je suis parfait. Je suis propre. Je suis parfait. C'est-à-dire que quelqu'un qui passe son temps, vous essayez de vous convaincre qu'il est parfait. Vous ne savez pas qu'il est sale? Et c'est toi qui dis que quoi? Tu dis qu'Amélie a les cadavres dans son placard. Chiu! Toi-même, t'as pas de cadavres où? Tu as fini de résoudre, tu as fini de cacher t'as pas de cadavres.
venir, pour venir sucer les gens. Quand Amélie a les cadavres dans son placard, imbécile. Chien vert comme ça là. Tu n'es qu'un minable escroc. Tu es qu'un voleur. Voleur! 270 euros par personne, voleur! 300 personnes, 81 000 euros, voleur! Voleur! Pète-t-il le quoi? Tu as fait quoi dans l'association là? Tu as porté quoi? Qui? Tu as fait quoi? Qui te donne le droit de prendre une de faire les adhésions payantes? Tu as légalisé cette association là où? Ton association de PTT a déjà fait quoi? C'est légalisé où? Voleur! C'est légalisé où tu prends 270 euros, Jean? Parce que tu abuses de la faiblesse des gens? Parce que les gens sont faibles, tu te lèves, tu prends 270 euros pour qu'ils viennent entrer dans un groupe WhatsApp? Tu es malade, prends ton sang? 270 euros, ça ne tourne pas rond dans ta tête? Voleur! Voleur! Fait voleur! Ouh, ouh, voleur! Qui t'a dit de voler? Ouh, ouh, voleur! 270 euros pour les jeter dans un groupe WhatsApp? Quand pète, minable motoboy que tu sois. Banquier dans ta tête. Autant je suis milliardaire dans ma tête. Je suis milliardaire en carton, autant tu es banquier dans ta tête. Chiu! Imbécile, minable escroc, voleur que tu sois. Tu te lèves le matin, tu fabriques ton schéma, tu viens déposer ton schéma ici sur les réseaux sociaux et tu profites pour insulter quelqu'un d'autre. Goho, il est fait man. Goho, il est un hacker. Alors que toi ton rêve, c'est d'avoir le même argent que lui. Toi, ton rêve, c'est d'aller dans les fêtes matin, mais ils sont allés boire 50 ruinades à chaque fête. Maintenant, tu montes ton schéma. Tu montes le schéma. Moi, je suis parfait. Je suis monsieur propre. Imbécile. Tu es propre dans quoi? Minable voleur. Regarde-moi une ordure comme ça, là. Prends Jansan. Chaque fois, je te dis, chaque fois que tu vas envoyer quelqu'un, chaque fois que tu vas payer quelqu'un pour venir m'insulter, chaque fois que tu vas payer quelqu'un pour venir m'insulter, je ne veux même pas calculer la personne là. Je te mets ça, bang! Dès que tu payes quelqu'un, la personne m'insulte, je te mets ça, bang! Propre, et ça ne chauffe pas. Je viens ici, je donne ton vrai nom. Et puis ça ne chauffe pas. Regardez-moi une ordure comme ça là. Tu t'es levé, tu sais bien que la veuve joyeuse s'est fait opérer. Mais malgré ça, tu prends la veuve joyeuse pour l'envoyer venir me crever mes pneus. Tu es malade. Tu prends ton argent, tu donnes à la veuve joyeuse. Qu'il faut qu'elle crève mon pneu. Si elle pousse avec ma voiture, là, tu vas faire quoi? Quand toi, tu vois veuve joyeuse, elle peut crever mes pneus. Tu as pris ton argent. Veuve joyeuse est venue nous dire ça, c'est sur ma page. Tu as pris ton argent, tu payes veuve joyeuse. Là où elle vient de s'opérer, là, comme vous-même, vous voyez veuve joyeuse. Quand tu la vois, là, elle peut crever mes pneus. Tu payes veuve joyeuse pour venir crever mes pneus? Tu es malade dans ta tête? Et tu dis à veuve joyeuse que dès qu'elle va crever mes pneus, elle sera égérie. Égérie de quoi? D'AliExpress? Donc en échange, tu es incapable de donner l'argent à veuve joyeuse pour qu'elle soit égérie de ta marque. Tu lui donnes l'argent, tu lui dis comme non, va crever les pneus. Va crever les pneus de Patrice Samel. Va crever les pneus. Dès que tu finis de crever les pneus, là, je vais te nommer égérie. Tu es malade. Pendant ça, ça ne va pas dans ta tête. Donc là où tu vois Rose, veuve joyeuse, elle peut se baisser comme ça, elle tchouk mes pneus. Dignac. J'ai dit qu'elle prend dans sang. Dignac ici là maintenant, j'atterris à Suren. Je la tire de chez elle, quand elle dit que voici les pneus ici, la pèse. Je te dis qu'elle prend dans sang, fais gnac un peu, j'atterris à Suren. Je vais la tirer de chez elle comme ça là. Je vais la faire descendre de tous ces escaliers là avec une seule main. Je vais dire que veuve, viens ici là, viens crever les pneus, on voit. Tu es malade? Veuve joyeuse l'a dit en plein direct. La couplée est ici là sur ma page. Tu as osé la payer. Tu n'as même pas pitié de veuve? Tu vois que veuve est malade en ce moment? Tu as osé la payer pour lui dire de venir crever mes pneus? Tu es malade, hein, Panjanzan? Je t'ai dit et je te répète, chaque personne que tu vas envoyer venir m'insulter ici là sur les réseaux sociaux, que tu payes pour venir m'insulter sur les réseaux sociaux. Tu en es où dans ta petite soeur de Facebook? Hein, Panjansan? Tu es où avec ta petite soeur de Facebook? Les familles de Facebook. Voilà ta petite soeur de Facebook qui fait déjà les big up à Lolita la Baronne. Elle dit que Lolita la Baronne est parfaite. Lolita la Baronne, c'est sa copine ou? Sa copine ou? Adama.
Adam, on peut être copine avec. Adam, on peut être copine avec l'ennemi de son grand frère de Facebook comme ça, là. Adama. Adama, Panjansan. Panjansan, même ta petite soeur de Facebook, ya. Yeah. Ya, yeah, Panjansan, même ta petite soeur de Facebook, ya. Yeah. Ya, yeah, Panjansan. Tu as fini de la payer. Panjansan, tu te rappelles quand tu la payais souvent pour venir me clasher. Panjansan. Ashuka. Ashuka, Ngongoli. Ashuka. Ashuka Ngongoli, les paresseux qui vivent en Suisse et qui passent tout leur temps à m'a parlé de moi, oh Ashuka, Ashuka Ngongoli, Ashuka, Ashuka Ngongoli. Erika, Panjansa, tu es où avec ta petite soeur de Facebook? Oh, petite soeur de Facebook, tu te rappelles, non? Le bon vieux temps quand tu la payais. Quand tu l'as payé jusqu'à ce qu'elle venait dire que je défends mon grand frère, je défends mon grand frère. Allégué chaîne. La petite de Facebook. La petite de Facebook a trouvé une patronne milliardaire. Ashuka. Ashuka Ngongoli. La petite de Facebook a trouvé une patronne milliardaire. Oh, quand la petite de Facebook parle de son contrat. Oh, la petite de Facebook dit qu'elle a un contrat. Oh, yo, yo. La patronne est milliardaire maintenant. Est-ce que tu regardes encore? Est-ce que tu calcules encore? Ashuka. Ashuka Ngongoli. Ashuka. Oh. Ashuka Ngongoli, chicoté, oh, je vais vous chicoter, oh, oh, chicoté, oh, je vais vous chicoter, oh, aïe, la petite sœur de Facebook, eh, aïe, aïe, mbae, aïe, quand la petite sœur de Facebook marche maintenant avec sa patronne, maman, la patronne des milliardaires, la patronne des milliardaires, elle va les gluta cosmétiques, oh, wow, la petite sœur de Facebook, elle tape le malon d'or, tos, quand elle voit son grand frère de fou, elle le toise, hey, wow, colo, oh, Facebook, oh, oh, Facebook, c'est le schéma, oh, maman, la petite sœur de Facebook, quand elle marche maintenant devant son grand frère, tous, surtout quand elle avait sa milliardaire, sa bosse est milliardaire, la petite sœur de Facebook, elle lance les directs, elle dit que oui, ma patronne a besoin de me voir, de l'autre côté de la bâton, hein, chérie, oui, j'ai donné un CDI, un contrat avec renouvellement tacite, voilà. Donc ça veut dire que ça te renouvelle automatiquement. Oui, c'est mon égérie. Oui, c'est mon égérie. Qu'est-ce que vous allez dire? Ne touchez pas à mon égérie. Ne touchez pas à mon égérie. Pendant ce temps, la petite sœur de Facebook, elle regarde comment elle toise son grand frère. Que, oh, hé, hé. Allégué chaîne, Adama, oh. Venez me ramasser, oh. Où est l'argent, oh, Panjansan. Panjansan, quand tu payes ta petite sœur de Facebook, tu as tellement payé ta petite sœur de Facebook, jusqu'à ce qu'elle me clash, toi, tu partages le direct. Elle me clash, quand tu partages le direct. Facebook, c'est le schéma. Panjansan, même ta petite sœur de Facebook, tu as fait le point avec la petite sœur de Facebook. Waouh. Waouh, Ashuka. 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 Ta petite sœur de Facebook. Oui, maintenant, elle est en CDI. Pour la première fois de sa vie, depuis 97, elle est arrivée en France. Voilà son premier CDI. Et tu crois qu'elle va te regarder? Et tu crois qu'elle va te conseiller la famille? La famille. Un faux grand frère comme ça, là. Tu n'étais son grand frère que quand tu l'as payé pour clasher. Quand tu l'as payé pour aller dire ceci. Tu as passé ton temps à la payer. Va clasher. Tu es incapable de lui donner le travail. Incapable de lui donner le CDI. Et tu penses qu'elle va laisser son mangement? Tu penses qu'elle va laisser son argent? Tu penses qu'elle va laisser sa patronne qui est milliardaire? Hey! Mais la petite sœur de Facebook a maintenant un gros titre. Elle s'appelle Égérie humanitaire. Maman, le gros titre de ça. Maman, le gros titre de ça pendant ensemble. Co-égérie humanitaire. Maman, avec le contrat qui se... Ça veut dire que le contrat ne finit jamais. Le contrat se renouvelle. Pendant ensemble, tu crois vraiment que la petite sœur de Facebook va venir s'asseoir, elle va venir passer à côté de toi qui vend le AliExpress. Là où tous tes produits sont versés là-bas sur AliExpress. Voilà tes produits. Voilà les liens que j'ai mis. Tapotez les liens des produits. Vous allez trouver ces produits là-bas sur AliExpress. Vous me tapotez les liens là. Vous tapez sur les liens. C'est dans la description du direct. Vous allez trouver les, je dis un pan d'ensemble de toi à moi. De toi à moi. La petite s'est passée. La petite, quand la petite s'est passée, même bon reportage, hey, la séance reportage, Panjansan, la petite sœur des gens, oh, elle a des contrats, injurie humanitaire, maman, même humanitaire, là, je ne sais pas si elle s'est écrit ça, mais l'injurie humanitaire, elle
Allez, un contrat, un CDI à direct déterminé. Et maintenant, tu veux quoi? Elle est dans la haute gamme. Les glutas cosmétiques, le glutation, mais les gros mots. Elle est dans les gros mots qu'on cherche seulement dans le dictionnaire. Et toi, tu crois qu'elle va venir s'asseoir? Elle va associer son image. Quelqu'un est déjà égérie humanitaire. Tu penses qu'elle va encore associer son image à Jansan de Dali Express? Mon frère, Ndambana 16. Ndambana 16. Jusqu'à ta petite soeur de Facebook, vous dites que oui? Bonjour Lolita la baronne. Tu es ma copine, Lolita la baronne. Je suis avec ma patronne qui est riche, qui est milliardaire. Mais toi, Lolita la baronne, tu es ma copine. Mais Lolita la baronne, je ne savais pas que tu étais gentille comme ça. Mais en fait, tu es très gentille. Hey! Hey! Lolita la baronne? Lolita la baronne? Adama! Adama, on peut faire les attalakous à l'ennemi de son grand frère comme ça là. Adama, on peut faire les attalakous à l'ennemi de son grand frère en direct comme ça là. Adama, quand on est avec sa patronne qui est milliardaire, quand on a un contrat direct indéterminé, Adama, est-ce qu'on peut encore regarder le genre sans frelater? Quand on sait que de l'autre côté là, c'est le frelater et c'est le zouazoua. C'est le brûlé. Venez me brûler, venez vous brûler. Je vends, je paie, je vends, je brûle. Je vends, je brûle, je vends, je brûle. On y va, on tapote les liens. Le Jansan brûlé. Adama, ta petite sœur t'a lâché, Panjansan. Adama, Panjansan, ta petite sœur t'a lâché. H, Panjansan. Adama, on peut te lâcher comme ça là. Tu as pris ton Jansan, tu as posé sur la table. Je vends, je paie, je vends, je paie. Venez vous brûler, venez vous brûler. Jansan frelaté, Jansan frelaté. Ici c'est AliExpress, ici c'est AliExpress. Les liens sont sur AliExpress. Je vends le Jansan, venez vous brûler. Jansan à l'hydroquinone. Jansan à l'eau de Javel. Jansan à l'hydroquinone. Je vends, je paie, je vends, je paie. C'est bourré d'hydroquinone. C'est bourré d'eau de Javel. C'est bourré de liquide vaisselle. Venez vous brûler. Adama. Adama, ta petite soeur se m'a regardé comme ça, elle a dit que, hey! Ta petite soeur se m'a regardé comme ça, elle a dit que, hey! Moi, avec mon prestigieux contrat, mon contrat à durée indéterminée, avec ma patronne qui est la Glutta Cosmétique, ma patronne qui est une boss lady, Oh! Et tu penses qu'elle va venir te regarder? T'es brûlé. Bientôt, vous allez voir que sa petite soeur ne peut se voir bientôt, dit que je n'associe pas mon image, je suis égérie humanitaire. Bientôt, on va dire, égérie humanitaire sur nous maintenant. Adama, je suis égérie humanitaire. Je n'associe pas mon image aux gens sont brûlés, frelatés de mon grand frère. Bientôt, vous allez me dissocier-moi. Ça dit que, on va lui sortir les mots du dictionnaire, va se mentir. Dissocier-moi, dissocier mon image, dissocier ma prestigieuse image de mon grand frère, Panjansan frelaté, parce que moi je suis dans du glutation, et puis moi je suis pas dans le frelaté d'AliExpress, je suis prestigieuse égérie humanitaire, c'est mon premier contrat depuis 2017 que je suis arrivée en France, voilà mon contrat est renouvelable, donc du coup, moi j'ai un travail maintenant, hein. On m'appelait Mandiata. Maintenant, j'ai une patronne multimilliardaire. On m'appelait Mandiata. On m'appelait Pauvre Lata. Maintenant, j'ai une patronne multimilliardaire. J'ai les gros titres. Je ne suis plus blogueuse, hein. Je suis égérie humanitaire. Égérie humanitaire. Adama. La petite sœur de Facebook est égérie humanitaire jusqu'à ce qu'elle snobe le grand frère. Maman, le snobage de ça. Maman, t'as snobé comme ça comme tos. On t'a snobé comme ça comme tos. Oh, Panjansan. Si tu as les mimbang, réponds à ta petite sœur de Facebook, oh. Oh, Panjansan, oh. Ta petite sœur de Facebook a mis le direct. Elle a dit que Lolita la baronne est parfaite. Elle a dit que Lolita la baronne est gentille. Elle a dit que Lolita la baronne est sa copine. Adam, on peut faire ça. Adam, on peut snober son grand frère de Facebook comme ça, là. Adam, on peut être égérie humanitaire comme ça, là. Oh, la glutabose. Oh, la gluta cosmétique. Oh, les vrais produits. Oh, la petite sœur de Facebook ne s'associe pas aux gens sans frelater. Oh, AliExpress sur nous maintenant. Oh, AliExpress sur nous maintenant. Pendant que toi, tu es là, tu poses les produits devant la table. Tu prends les produits, tu poses. Je vends, je paie. Venez vous brûler. Je vends, je paie.
Ne consultez pas AliExpress. Venez acheter chez nous, comme ça on vous encule avec les prix. On a quadruplé les prix par rapport à ce que vous voyez sur AliExpress. Venez vous brûler, venez vous brûler. J'en sans frelaté, j'en sans frelaté. Je vends, je paie, je vais. Adama, la petite soeur de Facebook, Mandiata. Mandiata a déjà un contrat. Maintenant Mandiata met seulement les hauts noirs, les hauts noirs transparents. Elle vous dit, je suis avec ma patronne, mais moi je ne m'amuse pas avec ma patronne. Je suis égérie humanitaire, mais je ne m'amuse pas avec ma patronne, wesh. Ben quand on va sortir, wesh, hein? Attendez maintenant, et bientôt on va commencer à se dire, ben wesh. Ben là-bas, mon grand frère, il fait du Johnson frelaté. Mais en fait, moi je peux pas parce que je suis avec une patronne. Ma patronne, elle est milliardaire. Et puis nous, on est aux glutations, d'accord? Moi, je suis égérie humanitaire. Voilà, je suis... Maman, les gros mots sur nous maintenant. Adama, les petits sœurs de Facebook. Adama, les petits sœurs de Facebook avec leur contrat. Oh là là! Oh, les petits sœurs de Facebook avec leur contrat, oh! Venez me ramasser, oh! Je vends, je paie, je vends, je paie. Je vends, je paie. Venez vous brûler, Pam Jansan est un féman. Pam Jansan est le Bernard Madoff de la toile. Pam Jansan est le Bernard Madoff de la toile. Non, je ne parle pas. Il y a des gens qui disent, hein, voilà, comme je dis, vous faites comment pour rester dans un direct où quelqu'un crie comme ça là? Peut-être que vous-même vous êtes beaucoup, hein. Quelqu'un va crier dans un direct, vous allez vous regarder. Ou bien vous êtes aussi mougon, je ne sais pas. Bien que je vais commencer à demander l'adhésion de 270 euros pour écouter mes directs. 270 euros. Je vous dis que bientôt, je vais demander l'adhésion de 270 euros pour écouter mes directs. Voilà. Parce qu'on vous a fait là-bas, vous n'avez pas pu parler. Hein? Vous êtes sous l'emprise du gourou. Le gourou vous a fait. Le gourou vous a mis ça profond. Maintenant, le gourou observe sa petite soeur. Sa petite soeur. Elle tape le malandon. Mais petite soeur de Facebook. Mais encore les anciens macos, quand tu mettais maintenant, tu mettais avant là. Mais les anciens macos, tu tapes le malandon. Je suis ingérie humanitaire. Je n'associe pas mon image aux gens sont frelatés. Oh, mon grand frère, c'est une merde. Oh, mon grand frère, c'est un frelaté, quoi. Son père est frelaté. Moi, je suis parfaite. Je suis aux glutations. Oh là là. Oh là là, j'ai l'humanitaire sur nous maintenant. Oh, j'ai l'humanitaire. Adam, on peut snober son grand frère. Adam, on peut snober. Grand frère, c'est bien fait. Tu as passé ton temps à donner l'argent. Comme petite soeur de Facebook. Tu as fait quoi de cette petite soeur de Facebook? En dehors d'alimenter les clashs, prends l'argent clash, tu as fait quoi d'elle? Tu l'as maintenue dans son statut de mendiante. Pour qu'elle soit mendiante à vie. Aujourd'hui, quand tu es le gourou, tu considères que la situation t'échappe. Même la glutabose, ce que tu es venu nous raconter, c'est que oh, la glutabose c'est parfaite. La glutabose c'est une boss lady. Elle t'a échappé. Aujourd'hui, elle t'a échappé, elle a pris son égérie à la main, elle t'a fui. Les deux, ça dit que la glutabose a pris son égérie, que maman, l'heure est grave, tu l'as égérie, viens, on court. Quittons le sorcier ici, elles ont couru comme ça là. Elles sont parties. Elles t'ont laissé au carrefour dessus, elles savaient. Allégué, chaîne. Aïe! Ah, quand le légué est bon comme ça, là. Le légué est bon comme ça. H. Aïe. Adama. Donc, ça fait dire que ça avait deux adeptes de sa secte qui l'ont échappé. Et vous savez que comme lui, il est pervers narcissique, il n'aime pas justement quand il a de l'emprise sur ses adeptes et que ses adeptes l'échappent. C'est pour ça que vous voyez que pendant ça, dans tous ses états. Si vous l'avez vu qu'il n'a pas encore explosé, c'est parce qu'il sait que, le grumier que je suis du clash, le grumier, le cardio du clash, je suis là. J'observe la scène et je commente. L'actualité. Je regarde là-bas. Je regarde ici. Je regarde la glutabose vous savez, son égérie. Je regarde comment elle a pris son égérie comme ça là. Elles ont couru. Pim, pim, pim. Je regarde comment elle court comme ça là. En courant, hein? En courant, son égérie dit que, coucou les ennemis de mon grand frère, je t'aime, Destinée la baronne de Sud, je t'aime, oh. elle court avec sa patronne, ma patronne, allons-y, courons, fuyons notre PV narcissique, fuyons-le, on l'a
verset comme ça là. Il demande aux justiciers les Mimbang. Les justiciers les Mimbang, ma team, vous êtes où? Il demande à la team de Dongoï là-bas de l'autre côté. Venez nous sauver. Les abeilles ont dit que. Nous, on n'a pas terminé de construire la maison de notre boss. On a venu te sauver. Nous, on regarde ça va à distance. Les abeilles ont dit que. Notre boss là. Mais une grosse maison est finie. Nous, on est occupés par terminer la maison. Nous, on est venus combattre pour toi. Les amis ont fait comme ça que hey. Les amis ont fait que hey. Les tecs ont fait que hey. Les tecs mangalons ont fait que hey. Les tecs mangalons ont dit que hey. L'histoire-ci, donne notre patron mangeata. Si maintenant il va plus être mangeata, donne notre patron va maintenant manger. Non, nous, on soutient notre patron, non. C'est le mangement de notre patron. Au moins, si elle a un salaire chaque fin du mois maintenant avec sa patronne milliardaire. Elle ne va plus nous demander 5 francs. Comment? On va laisser les produits de notre patronne, Mangiata? Non, si on ne la soutient pas, elle peut donner un risque de revenir encore Mangiata. Non, la Teka Mangala dit que hey! La Teka Mangala dit que hey! Les abeilles ont dit que hey! Les abeilles ont dit que hey! Il est resté les justiciers des Mimbang. Mais les justiciers des Mimbang, vous êtes combien? Vous êtes combien alors pour sauver le grand frère? Vous êtes combien pour sauver le grand frère? N'embarrassez-le! Facebook, c'est le schéma. Facebook n'est pas le voix bébé, c'est le cardio. C'est le cardio. Je dis que Facebook, c'est le cardio. Donc, pendant ça, je suis venue ici là solennellement te demander les comptes, virgule, par rapport aux 270 euros que tu as pris pour chaque membre. Merci de me faire un détail précis pour, de cet argent-là et tout l'argent-là que tu as mis dans le, à l'intérieur de ton ventre, de ton gros ventre. Voilà. Donc, merci de me faire le compte et le bilan de cet argent. Parce que je te donne 3 jours. Si tu ne me fais pas le bilan de cet argent-là, tu es considéré comme le plus grand arnaqueur, le plus grand voleur. Et comme je sais que tu as mangé cet argent, tu as volé cet argent, tu as maillé cet argent, tu as utilisé cet argent-là pour faire les commandes sur AliExpress, aller commander les brûler, et tu as utilisé cet argent-là pour acheter la voiture frelatée, là. Quand tu étais venu montrer que, oh, la voiture frelatée, oh, la voiture frelatée, chiu. Pendant ça, tu es une merde, tu resteras une merde. Bisous! Bonne soirée!